TVA, Abitibi-Témiscamingue et la Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi sont fiers de vous présenter les capsules « Ma région, ma richesse ». Apprenez-en davantage sur les ressources de notre territoire et sur les gens qui travaillent à leur transformation. Explorez avec nous toutes les facettes du secteur minier. Première étape de l'extraction, des chargeuses navettes prélèvent 20 tonnes de roches à partir des points de soutirage. Côté production, mais là, on fait nos gros sautages, comme les gens ont attendu dernièrement. Ça veut dire avec ça, bien, ça se trouve à descendre dans les points de soutirage. On a au-dessus de 40 points de soutirage. Puis les opérateurs rentrent ici avec la chargeuse navette. C'est une 15 verges. Le bucket est à peu près 20 tonnes. La chargeuse navette se libère de son poids et c'est maintenant à l'opérateur du marteau d'entrer en scène. Notre opérateur de marteau, Germain, ici aujourd'hui, qui se trouve à casser. On voit les trous, là, aux ouvertures. C'est à peu près un mètre, comme je te disais. C'est-à-dire, comme là, des roches, il y en a qui passent facilement dedans. Les autres, sinon, bien, avec l'opération du marteau, on est en train justement de casser pour les faire passer. La roche se retrouve alors dans ce concasseur qui fracasse la pierre en tout petits morceaux. Notre ouverture, pour finir, ça se trouve être 6 à 8 pouces à peu près. À partir de là, bien, ça se trouve être acheminé vers la surface à partir de là. Ma région, ma richesse. Présenté tous les lundis et mercredis du 3 mai au 7 juillet, tout de suite après le TVA Nouvelles de 18h. Un regard nouveau sur les secteurs d'activité témiscabitibien.